Après 56 jours de conception, la nouvelle Sbarro peut enfin sortir des ateliers. 24 étudiants ont travaillé sur ce projet, dont certains peaufinaient encore ce matin les derniers détails. Donc là, il est 10h du matin, on vient de passer la nuit, là, finir le remontage, les derniers petits détails, et on s'apprête tout doucement à laisser partir la voiture pour le salon. Pour le salon de l'automobile à Genève, qui vient d'être annulé à cause du coronavirus, ses étudiants viennent de l'apprendre. On est venu ici, je pense, tous pour ça, et forcément, le fait de ne pas faire le salon, c'est une opportunité pour nous qui est un peu gâchée. C'est vrai que ouais, c'est un petit peu décevant. Après, voilà, c'est indépendamment de notre volonté, donc on ne peut pas vraiment faire quelque chose. Mais c'est un petit peu décevant, c'est clair. Lignes élégantes, dotées d'un moteur Maserati, la nouvelle Sbarro peut atteindre les 300 km/h. Elle est inspirée des voitures de course italiennes des années 70. Mais les formes, elles sont très bombées, très galbées, très... la voiture pénètre le plus possible dans l'air. Le plus important, ça va être cette partie-là, c'est la cellule de survie, c'est là où est le pilote. En fait, il faut bien renforcer tout le châssis en mettant des tubes un peu partout, beaucoup de renforts qui permettent en cas de crash ou en cas d'incident de préserver le pilote. Nommée Saïta, éclair en italien, la nouvelle Sbarro n'ira pas loin pour l'instant. Un problème de batterie l'empêche de démarrer, mais pas de quoi inquiéter ses étudiants. Ah mais là, c'est mort.